Allez, partons maintenant en Islande. Il y a 60 ans, un phénomène rarissime s'y est produit. La naissance d'une île à la faveur d'une éruption volcanique. À l'époque, un Français était parti à la conquête de ce petit bout de terre sorti brutalement de la mer. Un Robinson Crusoe tricolore qu'ont rencontré pour nous Michel Izard, Axel Charles Messens et Soline Caffa. Aujourd'hui, à 81 ans, depuis son jardin, Gérard Vautet a sous les yeux les courbes des anciens volcans d'Auvergne. Et dans son esprit, le souvenir encore vif d'une folle aventure vécue au pays des volcans. Il y a tout juste 60 ans, l'île de Surtsey en Islande venait de surgir de l'océan. Je voulais être le premier à dormir dessus seul. Et j'ai peut-être été le premier sur Terre à vivre comme ça sur un volcan en éruption. C'était une expérience extraordinaire, quoi. Être comme ça sur une Terre qui avait que 10 mois, qui était sortie de l'eau, qui était complètement vierge. Il est un des témoins de cette naissance. En novembre 1963, au sud de l'Islande, dans le secteur des îles Vestmann, se produit un phénomène qui n'avait jamais été observé jusqu'alors. C'était très impressionnant à voir. C'est la première et la seule éruption qui a commencé au fond de l'océan et qui a trouvé son chemin à travers l'eau. Dans les semaines qui ont précédé l'éruption, la chambre magmatique, ici, s'est remplie. Sous la pression, la croûte terrestre à 130 mètres de profondeur a cédé. La lave en fusion au contact de l'eau a explosé, se transformant en un nuage de poussière. Quand elle a percé la surface de la mer, un panache de scories et de cendres s'est élevé, jusqu'à 10 km de hauteur. Ça, c'est l'appareil que j'avais, avec lequel j'ai pris les photos lorsque j'étais sur Surtsey. C'est l'histoire d'un Robinson volontaire, un jeune homme de 21 ans, amoureux de l'Islande. Au début de l'été 1964, il vient pour la troisième fois travailler à Heimaey, l'île principale de l'archipel des Vestmann, dans une usine de poissons. Et il ne se doute pas du spectacle qui l'attend. Il fallait voir la vue qu'on avait des îles Vestmann. On avait la vue toute la nuit de cette espèce de colonne rouge immense qui montait du volcan. Et ça, ça donnait envie d'y aller. L'éruption a duré 4 ans. Le volcan est calme depuis 1967. Surtsey s'est installé dans le paysage, souvent voilé sous les brumes de l'océan Arctique, là-bas, à l'horizon. À l'époque, des bateaux de pêche emmenaient des visiteurs en faire le tour et parfois y poser le pied. C'est ainsi que Gérard a pu y débarquer, en septembre 1964. J'étais excité de plus en plus, plus on approchait. Puis ensuite, quand on est descendu sur la plage, et surtout quand on est monté au volcan. C'était magnifique, le lac de lave, le lave qui coulait vers la mer. Et quand le patron pêcheur a dit « Bon, allez, maintenant, il faut qu'on rentre », moi, je lui ai dit « Je reste ». Et il m'a répondu « That's your business ». C'est votre affaire. Voilà, c'est ton affaire, tu restes, très bien. Il avait tout prévu, tout préparé, de la nourriture pour plusieurs jours, un duvet et une tente. J'étais dans une petite crique, c'est le seul endroit où je pouvais planter ma tente. Il n'y avait pas d'autre endroit sur l'île. Et la mer, qui était à 30 mètres, plus ça allait, plus elle avançait. Et je me dis, si elle avance jusqu'à moi, ben, derrière moi, il y avait le volcan. Ces photos montrent la solitude, l'âpreté de ce monde neuf, gris, stérile. Puis une tempête se lève, il se réfugie sous la tente et il écrit. Bien chers parents, voici 5 jours que je joue les Robinsons sur cette île. 5 jours difficiles, croyez-moi. Mon île est déserte. Pas de végétation, aucune faune. Le 6e jour, les autorités inquiètes envoient un bateau le chercher. Il remballe ses affaires et conserve toujours précieusement son carnet de notes et les dessins croqués sur place. Gérard Vautet n'y est jamais retourné. Depuis 1965, Surtsey est une réserve intégrale, interdite aux visites, interdite aux humains.
Les nouveaux Robinson sont des scientifiques qui viennent une fois par an, 4 jours seulement, pour étudier comment la vie est apparue et comment elle évolue. Des oiseaux sont venus nicher, les insectes les ont suivis, la végétation a couvert la terre noire. L'an dernier, on dénombrait 58 espèces de plantes dans ce secteur. Aujourd'hui, on en a trouvé un peu plus. Ça fait plaisir. Cela veut dire que l'île peut encore s'enrichir de nouvelles formes de vie. D'ordinaire, la présence humaine perturbe le milieu. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a que la nature. C'est fascinant. À la fois sanctuaire strictement protégé et laboratoire de recherche, Surtsey a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'une part de vous est quand même un peu restée là-bas? Oui, sûrement, oui. Quand je raconte ça, bon, je suis fier. Hein. Fier d'être allé sur une île. Une île qui venait de sortir de la mer. Du pays des volcans, Gérard Vauté a ramené aussi une histoire d'amour avec Erla Sveinbjørnsdóttir qui se prolonge sous le regard des volcans d'Auvergne.